Et voilà, on se retrouve sur le très bon Batman Arkham Knight pour tester sa version rétrocompatibilité sur PS5. Ce titre, oui. Alors lui, a priori, à ce que j'ai lu sur Digital Foundry, lui, il bénéficie vraiment des consoles next-gen, notamment sur les sur le HDR en fait, puisque c'est un jeu qui était sorti qui n'avait pas de HDR. Et avec le HDR automatique, a priori, c'est vraiment beaucoup plus joli. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est mort. Il y a 9 mois, le Joker a été incinéré. J'ai moi-même appuyé sur le bouton et brûlé ce salopard. Ensuite, on a attendu. Gotham se préparait à subir une inévitable lutte pour le pouvoir. Mais elle n'est pas venue. La criminalité a même baissé. Au fond, je savais que la guerre approchait. Quelqu'un finirait bien par mettre le feu aux poudres. Quand même, cette trilogie de jeux Batman Rocksteady là, c'est vraiment exceptionnel. Merci. Avec plaisir. Ah, merci mon chou. Bien, à quoi? Comme d'hab? Ouais. Donc une salade au poulet sans vinaigrette. Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec supplément bacon. Dites rien à ma femme. Comme vous voudrez, monsieur l'agent. Oh, et faites-moi signe si vous voulez du café. Et voici gaufres avec supplément de bacon. Tous les jeux sont... Alors en fait, ils sont pas lock 30 FPS. Ils sont lock, ils sont dans l'état où ils étaient sur PS4, c'est-à-dire que si le jeu était avec un firmware unlocked sur PS4, ben il est en firmware unlocked. S'il est en firmware lock, il est en firmware lock. Pareil pour la résolution, si la résolution était limitée à du 1440p max sur PS4 Pro, ben il ira pas plus vite. En fait. Excusez-moi, monsieur, c'est non fumeur ici. Il n'y a pas plus pour l'instant. Et après, il faut que les développeurs patchent leur jeu pour par exemple débloquer le framerate en fait.
blessés ont été pris dans une attaque sauvage et cauchemardesque. Parmi les rares survivants se trouve un agent de police. Cette démonstration n'a requis que 140 grammes de ma dernière toxine. Demain, ceci vous semblera bien inoffensif. Bah c'est ce que dit DF en fait. DF, ils disent tant qu'il n'y aura pas de... Tant qu'il n'y aura pas de patch de la part des développeurs, en fait, les jeux ils tourneront pas mieux que sur PS4 Pro, en fait. Enfin, ils tourneront mieux si le framework est unlock, ils tourneront pas mieux si le firmware est pas unlock. Par exemple, Sekiro, il tourne mieux parce qu'il a un framework unlock. Et il y a aussi des jeux où t'as des situations un peu ubuesques, genre Assassin's Creed Unity. Il tourne mieux sans patch que patché en fait. Parce qu'en fait, quand ils ont patché le jeu, ils ont freeze le framerate. Et du coup, en fait, quand tu mets le disque, tu mets la galette dans le lecteur sur Xbox Series comme sur PS5, bah, en fait, le jeu il tourne à 60 fps constant. Et surtout, faut surtout pas le patcher en fait. Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos. La crème de Gotham. Les crapules. Les criminels. Et pire encore. Il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter. Putain, il a encore une sacrée gueule ce jeu. Il est pas tout jeune mais... Il n'a fallu que 24 heures pour qu'on perde tout contrôle de la ville. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. Ça me rassure que tu sois hors de danger. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai. Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Si vous avez besoin de me joindre, la nuit va être longue. Hé, hey, Batman! C'est toujours la même chose. Oracle, je voudrais l'emplacement de l'unité 247. Je suis dessus. Comment va mon père? Il tient le coup. Quoi qu'il arrive, il tient toujours le coup. Ok, voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudents. Ça risque d'être délicat.
Alors, où est-ce qu'il est? Là-bas. Bon, de toute façon, on va pas s'attarder sur le jeu en fait. C'était juste pour vous montrer. Comment ça tournait. Ah non mince. Merci, Batman. J'ai bien cru qu'ils allaient tuer. La ville est envahie. On n'a aucune chance. Restez ici. J'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? J'équilibre le jeu. Équilibrer le jeu. Sur du matériel militaire. Oracle, j'ai besoin de traquer ce véhicule militaire. Une voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Rappelez vos hommes. Golf Oscar 5-6, ici le commissaire Gordon. J'annule la poursuite. C'est trop dangereux. Chef, on y est presque. On peut avoir ces fumiers. Ils nous distancent. Oh merde. Colle-leur au train. Allez. Reste près d'eux. Ne les lâche pas. Allez, fonce. Regardez les contrôles à côté. Wow, ils viennent de nous balancer une roquette. Mais qui c'est ces types? 5-6, repliez-vous tout de suite. C'est un ordre. Laissez Batman s'en occuper. Alors, changez. Ils ont été éliminés. Merde. Je vous en prie, Batman, vous devez les arrêter. Ne vous inquiétez pas, Jim. Il est à moi. Voilà pour le véhicule. Faut que j'interroge le conducteur pour déterminer ce qu'il sait. Faire foutre.
à te raconter, Batman. Parle, ou je réduis tous tes os en miettes. Ok, ok. Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Si tu mens, je te casse l'autre. L'autre quoi? Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense? La nouvelle toxine. Un échantillon non contaminé. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire? L'épouvantail a un repère pas loin. Je vais lui rendre visite. Espérons que c'est l'indice clé qu'il nous manquait. Voilà, bon, bah, on va s'arrêter là pour ce Batman-là. Vous avez pu voir un jeu qui tournait à 30 images secondes, mais ouais, c'est, les éclairages sont jolis. Après, je peux pas trop dire. Faudrait que je compare pour voir si vraiment il y a un gap. C'est vrai que c'est beaucoup plus lumineux, certains éclairages sont beaucoup plus lumineux, et je pense que voilà, le mode HDR automatique fait ressortir certaines lumières, d'autres un peu moins. Donc c'est à voir. Voilà en tout cas pour ce Batman, on va se faire un dernier jeu avant de se quitter, donc je coupe le stream, je reviens tout de suite avec un autre jeu.